Ravi de vous retrouver pour cet épisode du matin de mon Let's Play de Crusader Kings 2 avec donc... vite fait... Lui il a 13, lui il a 12... Ouais, pourquoi pas... Pour donc ce nouvel épisode du matin de mon Let's Play Crusader Kings 2... Alors j'ai arrêté de faire de l'argent, je vais faire de la technologie... Là je vais continuer à faire de la conversion... Franchement, j'ai presque réussi à remonter tout le monde au maximum. Ça tient du miracle, tout le monde me déteste. Alors j'attends toujours la mort de mon ennemi qui m'a pris la moitié de mon royaume. Enfin pas la moitié, mais une grosse partie en tout cas. Alors 12, 12 et 11. Ok, c'est pas terrible en leader mais ça fera l'affaire. Ok, ça va être une révolte vite fait détruite heureusement. Il va encore me falloir 2 ou 3 allers-retours je pense, enfin au moins un aller-retour pour la détruire. Ah peut-être pas là, ils sont... Il m'aura fallu un aller-retour. Je pense que je vais pouvoir... Ok, parfait. Alors, j'ai pas mal d'argent. Je vais voir si je peux pas investir. L'enclos à éléphant, honnêtement, c'est un peu cher quand même. J'ai mieux à faire avant. Pour fortifier, par exemple, pour les revenus. Écurie plutôt. Mes villes sont pas mal améliorées. Presque au maximum partout de mon niveau technologique. Je crois que dans ma capitale c'est au maximum. À Tagadour il manque pas grand chose. Il manque les tours je crois, ou les murailles. Ouais là je peux... Ah si, je peux faire mieux si j'avais 359. J'ai pas vu en fait. En plus ça me donne un petit bonus sur la taille de l'escorte, bon il va falloir que j'économise quoi. C'est ce que je vais faire, lui je vais le suivre. Comme ça je saurai quand il va mourir. Ouais, son héritier est duc. Il est duc du royaume de Delhi, alors... Je pense que le royaume de Delhi va perdre son duché, et il va passer à ce royaume-là. Ah, ce que je voulais vérifier, c'est est-ce que j'ai un casus belli contre ce petit comté-là, indépendant? Il me semble que non, mais faut que je regarde. Ouais, je peux revendiquer, mais non, ça sert à rien. C'est pas des gens de ma dynastie. Je dois plus avoir non plus de casus belli contre ce duché-là. Petite vérification. Personne de ma dynastie, là. Non. Là, je vais prendre... L'égalisme hein, pour augmenter la taille de mon royaume. Roi et empereur plus 2. Donc là je pense que je vais gagner 1 en taille. Ouais, bon pour l'instant ça me sert à rien, mais ça pourra me servir à l'avenir. Alors je vais accélérer la vitesse, je vais passer en vitesse maximum. Là, j'aimerais bien être en paix pour faire mon Douali. Ouais, voilà, une petite révolte. Ça faisait au moins 2-3 mois que j'en avais pas eu. Ça commençait à me manquer. Alors, où est-elle? Un peu au même endroit que d'habitude.
Ah merde, j'ai oublié de... J'ai oublié d'appuyer sur contrôle pour éviter que ça pop au mauvais endroit. Comment ça se fait que j'ai des troupes ici? Je devrais pas avoir de vassaux ici, moi. Peut-être pour ça qu'ils m'aiment pas d'un autre côté. Ah merde, j'ai pris des mauvaises troupes. J'ai pris des vassaux au lieu de prendre du domaine. Oh, bon, bah c'est pas grave. C'est très chiant ça. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas prendre des vassaux parce que ça augmente leur... ils sont encore plus mécontents qu'avant. En plus, il y a moins de troupes. Bon, ils sont pas très nombreux les rebelles, ils sont que 2000. Mais là, je vais avoir une petite armée en fait quand même. Ouais, bon, je vais avoir plus de 4000 hommes donc ça va. C'est pas ce que je voulais faire, c'est tout. Oui, répandez des rumeurs. Mon conspirateur m'a demandé de l'argent pour acheter une grande quantité de fumier. Ah ouais, si j'arrive à le tuer, juste pour me venger. 179, il demande. Trop cher, je peux même pas payer en fait. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Ça devrait être bon. On va prendre ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire un 12-12-11 comme d'habitude. Okay. Bon, je pense que ça va être réglé assez vite. Fait. Je crois qu'ils vont rester là, eux ils vont aller là. Comme ça on va les attendre à leur arrivée et ce sera plus vite fait comme ça. Et comme ça s'il leur prend l'idée de revenir dans l'autre sens, on sera là à les attendre tranquille. Et merde, ils vont vers une autre province. C'est pas grave, c'est comme si c'était fait quand même. Allez, sérieux, merci. Ok. Donc je renvoie tout le monde. Ce que je ferais bien, je confisquerais bien un château. Pour enfin le donner à mon héritier là qui a pas de. C'est une femme. Annuler un titre. Moins 20. Ça plaît à personne évidemment, mais c'est pas grave. Je vais le donner à mon héritier. Ok. Parce que là, ça fait pitié de le voir sans terre depuis aussi longtemps. Le Dama d'Hérode. Là, il a vraiment rien. J'ai mal pour lui. Au moins, il fera un peu de. Il fera un peu de prestige et tout ça. Parce que là, bon, il a un petit peu de prestige, mais c'est quand même pas top. Il n'a pas beaucoup de karma. Il a déjà un héritier, c'est bien. C'est un guerrier, c'est bien. Et c'est un shivaïste, ça, on verra ça après. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est que. J'éduque celle-là. Non. Je vais le remettre à mon fils. Hein. C'est juste qu'il est parti à côté. Alors oui, j'ai beaucoup d'autres fils sans terre, mais ce qui comptait, c'était mon héritier surtout. J'en ai 3 sans terre. Hein. C'est le problème d'avoir une concubine. Je crois que je vais arrêter de prendre deux concubines à chaque fois. Pour ne plus en prendre qu'une. Là j'en avais pris qu'une pourtant.
Alors, il est toujours pas mort. 64 ans. Ah, là, il est en révolte ou quoi? C'est un peu le bordel chez lui. Ah, ce qu'il y a, c'est que j'ai plus de casus belli, là. J'ai plus rien. À la rigueur, il faudrait que je mette mon chancelier, ici, par exemple, essayer de faire quelque chose. Je vais plutôt le mettre à côté, alors là je vais pas pouvoir le changer tout de suite. Le 30 novembre, ouais. Faut pas que j'oublie. Toujours en guerre à cause de mon allié là. Ce qui m'empêche de faire mon douali, de faire la chasse. Ah merde, je peux pas l'exécuter. Je peux le bannir par contre. Bon. J'ai pas trop de solutions là, je peux pas faire grand chose, j'avoue. Tiens, il a changé d'héritier. Il a réussi à avoir un fils, avec une de ses concubines sans doute. Il a réussi à avoir un fils, alors ça. Bon, ça change pas grand chose a priori. Sauf que le duc en Inde, là, il aura pas le royaume. Je vais arrêter d'essayer de l'assassiner. Je vais essayer d'assassiner celui-là. Ah, là, il y a beaucoup plus de monde. Il y a carrément plus de monde. Je m'en doutais un peu hein, que son fils direct, j'aurais beaucoup plus de succès. Ouais, j'aurais pas besoin de l'assassiner, il vient de mourir. Alors. Il garde son escorte, sérieux. Merde, il garde son escorte. Bon, je vais l'assassiner juste pour... J'aime pas trop ces héritiers qui sont d'un autre royaume. Je déteste ma vie, déprimé. Ça c'est un peu c'est dangereux. Je vais pas tarder à mourir. Avec le moins 1 de santé. Ah, le plan pour l'assassiner. Va-t-il réussir? Suspense. La sauvegarde rajoute 8 secondes de suspense. Merde, un enfant l'éduquer. Sérieux, j'ai pas de Tamoul brillant stratège. Ça, c'est pénible. J'ai des défenseurs. Des soldats endurcis, là. Bon, allez. Ça me suffit pas, j'aimerais avoir mieux. Mais... Ah, j'ai réussi. Un accident suspect. Mais on n'a pas le coupable. Hein. On connaît pas le coupable quand c'est ça. Ah, c'est encore un enfant. Qu'en est-il de son escorte? Il l'a toujours, a priori. Et là, il a dû hériter... Ouais, c'est ça. Il a hérité des terres qui étaient à Delhi, là. Bon, c'est un enfant. Je peux toujours essayer de l'assassiner. Par contre, là, c'est un vrai roi qui va en hériter. C'est pas forcément bon. Ouais, c'est pas grave. Allez. Commettre un suicide, ça c'est nouveau. Hein. Enfin, depuis quelques temps ça existe, mais. Ah bah, j'aurais pas besoin de commettre un suicide, me voilà mort. Et c'est pas trop tôt en fait, je préférerais celui-là, au moins il est pas infirme, par contre il est un peu bègue. C'est pas génial, mais. Je préfère celui-là. Alors, déjà il a un héritier, par contre j'aimerais bien qu'il ait. Un tout petit peu plus d'enfants, ce serait cool. Trois enfants n'ont pas de tuteur. On va arranger ça.
Alors une fille, la fille on va lui donner c'est une guerrière, ouais. De toute façon, pour les élever, je crois pas que ce soit très important. Tamoul, lui, même pas trop, ce sera parfait. Donc, tout ça, c'est des parents éloignés, ça me sert à rien. Tamoul. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui m'aiment pas, là. Rajput, j'aime pas trop. Elle a quel âge celle-là? Je sais pas. C'est à moi. Je vais me prendre moi-même. Alors évidemment, question conseiller, tout d'un coup, je me retrouve un petit peu à sec. 14, ça c'est parfait. Il est toujours là où il faut. Ouais. L'intendant. 18, c'est pas mal. Maître espion, j'aurais pas mieux. Complot déjoué, vassal découragé. Ouais, c'est bon. Et là, 20, c'est pas mal. On va le mettre là. La conversion est pas faite, hein, loin de là. Alors, lui, par contre, on va le mettre à un endroit où il y a des gens qui nous aiment pas. Franchement, il n'y a pas grand monde qui nous aime pas. Convoite le titre du royaume de Lanka. Ouais, ça je m'en doute, mais il est pas près de l'avoir. Ouais, je vais continuer à faire une revendication ici. Alors, qu'en est-il de celui-là? Il a toujours ses troupes, hein. S'il meurt et qu'il rejoint l'autre royaume, est-ce qu'il va continuer à avoir les troupes? Telle est la question. Je vais choisir une divinité protectrice. Je ne vais pas prendre intendance, je suis déjà bien. Je vais prendre Martial. S'il y a Martial, ouais. Martial est moins 1 d'érudition. Martial est moins 1 d'intendance. Ah non, c'est pas ça qu'il me faut. Putain, il n'y a pas ce que je veux. Moi, je veux Martial plus 1. Et intendance moins 1, ce serait bien, mais il n'y a pas. À rigueur, Martial. Ouais, je vais prendre ça. Martial moins 1, plus 1 diplomatie. Bon, c'est pas mis à jour. Alors, je peux revendiquer le royaume des petits poissons. C'est quoi ça? C'est celui-là. Ok, c'est juste qu'il a changé de... C'était pas cet étendard-là avant? Bizarre. Donc lui, je vais reprendre son assassinat, je m'en fous. Il n'y a pas grand monde qui me suit. Oula! Guerre de revendication d'Andra pour Delhi. Ah, carrément, il est ambitieux. Attaquant. Comment il a fait pour déclarer une guerre alors qu'il est mineur? Je croyais que c'était pas possible ça. Bon, c'est pas grave. Ça m'étonne, honnêtement. Alors qu'il a un. Il a un régent, il a réussi à déclarer la guerre. Ou alors c'est son père qui l'avait déclaré avant lui. Ça m'étonne. En tout cas, il est parti avec ses 35 000 hommes et il va nous faire la guerre. Je pense que Delhi ne va pas pouvoir faire grand-chose. Bon, moi je vais aller chercher mon gourou. Non, je peux pas aller chercher mon gourou. Je vais faire une chasse au tigre. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand chose.
Ah, il ne s'est rien passé en fait. J'ai loupé la chasse, c'est pas grave. Tu peux pas en faire deux par année? Non. Bon là, il faut que j'attende pour aller chercher mon gourou. Il me manque pas grand-chose en prestige, il me manque 17 points de prestige. C'est que dalle. Et dès que je les ai, je vais chercher mon gourou, ça me donnera un personnage avec un gros score en karma, je pense. Ouais, faites-le, répandez les rumeurs. Ah merde! Ah mais là, il y a plein de gens qui m'aideraient en fait, si je voulais payer. S'il y en a qui me coûtent pas trop cher, ouais. Ça me coûte pas très cher. Ça c'est pas très cher non plus. Je vais m'arrêter là, ça va me mettre au-dessus de 100, ça largement. Tiens, il a 27 000 hommes là. Fourbe, j'ai pas le choix. Bon, je pense que cette guerre elle va vite tourner à son avantage avec avec ses 30 000 hommes d'escorte là. C'est un peu ridicule qu'il les garde comme ça. Il a de quoi conquérir tout l'Inde là. Sans aucun effort particulier. Allez, prêt, hein, Seigneur. Donc là, je sens que ça va me coûter un peu d'argent pour améliorer mes relations. Bon, je vais pas tarder à arrêter l'épisode. J'aurais bien aimé voir d'abord le résultat de la guerre. Il est à 64%, je pense que ça va pas être long. Mais là, ça dure un peu en fait. Avec 30 000 hommes, il a de quoi donner les assauts pourtant. Bon, je vais arrêter à la fin de la sauvegarde. Et bah, j'attends toujours qu'il perde son escorte là, que je puisse l'attaquer, mais bon, tant que c'est pas le cas, c'est du suicide. Ouais. Bon, je vous laisse et je vous donne rendez-vous ce soir, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.